Quand j'ai choisi de nommer M. Papendiaï, j'ai choisi de nommer un homme qui, d'abord par sa vie, son parcours, dit ce à quoi je crois de l'école de la République. Et je pense qu'il incarne aussi ce que nous avons fait ces 5 dernières années, ce que nous voulons faire. C'est-à-dire en combien l'école de la République permet de bâtir l'égalité des chances et permet, quelle que soit la trajectoire familiale, et il a une formidable vie familiale que lui-même, sa sœur, si je peux me permettre de faire cette évocation plus intime avec chacun leur parcours, leur spécificité, disent très bien, mais qui est la vie de millions d'enfants de notre République. Et je pense qu'aussi, il incarne ce faisant, ce à quoi je crois de cette école, c'est-à-dire par le soin de parents qui ont cru dans l'école de la République, le soin d'enseignants qui ont cru dans un enfant, et puis ensuite son talent pour accéder aux meilleures études et lui-même devenir enseignant et chercheur, et bien montrer que c'est un destin d'excellence. La deuxième chose, c'est qu'il a montré par ses études, son parcours académique, son souci de l'égalité des chances. Et cet attachement, quelque chose que je crois profondément, notre République, et le fait que la République devait toujours se regarder elle-même, être capable de bâtir son unité dans le respect des diversités. C'est le discours universaliste auquel je crois, et je pense qu'un des défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est aussi de savoir parfois dépasser les fractures dans lesquelles il faudrait toujours... On est sommé d'habiter forcément un camp.